du Congo. Nous allons laisser donc la cette audience se poursuivre normalement avec certainement la lecture de cet arrêt unique des députés nationaux élus définitivement lors des élections de 2023, les élections législatives, j'allais dire, de 2023 en République démocratique du Congo, en tout cas les députés de la 4e législature de la République démocratique du Congo. Voilà donc, amis téléspectateurs, c'est le moment venu pour cette lecture de l'arrêt par le président de la Cour constitutionnelle et en même temps président de cette composition. C'est plusieurs feuillets qui vont donc être lus. Je vous ai dit que c'est nommément qu'ils seront appelés ou cités ici par le président de la Cour constitutionnelle. C'est une audience publique et cette publicité est élargie par la télévision nationale qui permet à tous ceux qui sont sur le sol de la République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs, de suivre en direct cet arrêt définitif qui ne va pas tarder à intervenir. Ceux qui nous suivent à Bongandanga, ceux qui nous suivent à Befale, qui suivent à Kamina, à Sandoa, à Sakania, à Katanda, à Sekebanza, à Ariwara, ici à Kenge, à Kinshasa, ici à Kisenso, partout, ils vont suivre cet arrêt définitif. Je vous disais tantôt que la publicité a été optimisée par la radio-télévision nationale congolaise qui se déplace toujours lors des grands moments pour permettre aux fils et filles de la RDC de suivre dans les moindres détails comme si tout c'était là, ce qui se passe de plus grand. L'audience suspendue est reprise. RCE 1389, en cause, proclamation des résultats définitifs des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. Arrêt. Par décision numéro 002/CENI/AP/2024 du 13 janvier 2024 et numéro 007/CENI/AP/2024 du 2 février 2024, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a rendu public les résultats provisoires des élections législatives nationales organisées le 20 décembre 2023. Par deux lettres, le président de la CENI a, conformément aux dispositions des articles 223 de la Constitution et 71 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour, transmis à la Cour constitutionnelle les documents et actes se rapportant aux résultats provisoires des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. Il s'agit de les décisions numéro 002/CENI/AP/2024 du 13 janvier 2024 et numéro 007/CENI/AP /2024 du 2 février 2024 portant publication des résultats provisoires à l'élection des députés nationaux du 20 décembre 2023. Les procès-verbaux des délibérations sur les résultats provisoires des élections législatives nationales. La Cour relève que la transmission de ces pièces s'est faite en deux vagues. La première concernant les circonscriptions dont les résultats étaient publiés le 13 janvier 2024 et la deuxième, les circonscriptions de Boudjala, Bomongo, Ilebo, Kole, Makanza et Mobaimbongo à la suite des enquêtes diligentées pour les actes de détention illégale des dispositifs de vote, de destruction méchante du matériel électoral, d'incitation des électeurs à des voies de fait sur le personnel de la centrale électorale
et de vandalisme sur le patrimoine de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Elle constate que les pièces reçues de la Commission électorale nationale indépendante contiennent les données suivantes. Premier tiré, nombre total d'électeurs inscrits, 41 738 628 électeurs. Deuxième tiré, nombre total d'électeurs ayant voté, 18 813 469 électeurs. Troisième tiré, nombre de suffrages valablement exprimés, 17 967 551 électeurs. Quatrième tiré, total des sièges à pourvoir, 477 sièges. Et enfin, dernier tiré, taux de participation, 43%. La Cour relève que les élections n'ont pas été organisées dans les circonscriptions électorales de Masisi et Rutshuru, dans la province du Nord Kivu et Kwamout, dans la province de Maïndombe. En outre, la Cour note que par sa décision numéro 001/CENI/2024 portant annulation des élections législatives, provinciales et communales, les désuffrages dans certains bureaux et centres de vote, la CENI avait annulé les élections dans les circonscriptions électorales de Massimanimba en province de Kwilu et de Yakoma en province du Nord Ubangi. Après examen et jonction de certains de ces recours en raison de leur connexité, elle a rendu des arrêts de désistement, d'irrécevabilité, de non-fondement et de fondement. La Cour rappelle qu'après examen des recours, certains dossiers ont été déclarés recevables et fondés, occasionnant ainsi l'invalidation des 42 députés pour être remplacés par d'autres confirmés par elle. Il s'agit des causes ci-après. La Cour observe dès lors que 477 sièges de l'Assemblée nationale sont pourvus. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives pour la députation nationale proclame élus définitivement députés nationaux les personnes dont les noms suivent. Province du Bas où elle est. Circonscription électorale d'Akéti. Monsieur Ngombe Nzeu Charles. Circonscription électorale d'Angou. Madame Nehema Painigné Grasse. Circonscription électorale de Bambessa. Madame Aminata Namasia Bazegou. Circonscription électorale de Bondo. Monsieur Zuma Anibie Marcel. Circonscription électorale de Bouta. Monsieur Tepagje Tedengue Floribert, circonscription électorale de Boutaville, Madame Aguito Amela Carole, circonscription électorale de Poco, Monsieur Tutu Tegdeza Kango Gilbert, province de l'Équateur, circonscription électorale de Bassankoussou. Monsieur Ekila Likombo Marc et Madame Lokumu Essemoti Joséphine Pacifique. Circonscription électorale de Bikoro. Madame Mpembi Isomi Bazego Marie-Thérèse et Monsieur Boulou Bobutu Christophe. Circonscription électorale de Bolomba. Monsieur Lopose Motingeya Peter et Madame Maizana Mapoko. Circonscription électorale de Bomongo. Monsieur Mangobe Bomungu Jean-Marie. Circonscription électorale de Ingende. Monsieur Nkoy Ampago Tonton. Circonscription électorale de Lukolela. Monsieur
Iyondo Ilunga Albert, circonscription électorale de Makanza, Madame Linyonga Zanyalembe Jelina, circonscription électorale de Mbandaka Ville, Monsieur Baende Etafe Eliko Jean-Claude et Monsieur Iyolo Banyafie Désiré, province du Haut-Katanga, circonscription électorale de Kambove, Monsieur Pembamoto Kiala Mathieu, Monsieur Lumbu Moulindi Michel et Monsieur Kachoba Kabonchi Denis, circonscription électorale de Kasenga, Madame Mpundu Lundeba Micheline et Monsieur Sama Lukonde Kienge Jean-Michel, circonscription électorale de Kipushi, Monsieur Mukasa Kalembwe Calixte, Monsieur Kabeya Mbonda John et Madame Munana Aziza Nathalie, circonscription électorale de Likasi Ville, Monsieur Yav Nawej John, Monsieur Chanda Kalengai Dan et Monsieur Mbia Luboya Titi, circonscription électorale de Lubumbashi Ville, Monsieur Moulenda Ebondo Jean de Dieu, Monsieur Kalamba Ngindu Jean-Louis, Monsieur Mukaya Kazadi Richard, Monsieur Mwamba Mukenge Émile, Madame Mutita Kalunga Clotilde, Monsieur Nazem Odroge Nazembe, Monsieur Malandji Swana Cheguin, Monsieur Kitungwa Lukoma Juvenal, Monsieur Lumbungoy Yannick, Monsieur Muloko Kamwanga Donatien, Monsieur Chizainga Kapumba Cédric, Monsieur Moulimbi Kasongo Gelor, Madame Ingwambi Musengezi Pauline, Madame Masangu Bibi Muloko Mireille, circonscription électorale de Mitwaba, Monsieur Mpangawa Lukalaba Jean-Jacques, circonscription électorale de Pueto, Monsieur Katumba Mulumbwe Augustin et Monsieur Katebengoy Michel, circonscription électorale de Sakania, Monsieur Tiswaka Chilombo Isaac, Monsieur Chembo Konde Serge, Monsieur Kankonde Mpatu Giseta, province du Haut Lomami, circonscription électorale de Bukama, Madame Kitwa Godalena Ida, Monsieur Makonga Kabila Emmanuel, Monsieur Banza Maloba Dani, Monsieur Ngoy Kasole Maloba Alexis, circonscription électorale de Kabongo, Monsieur Moussao Kalombo Mbuyu Célestin, Monsieur Banza Somwe à Mfunkwa Eustache et Monsieur Ndala Mbayo Gislain, circonscription électorale de Kamina, Monsieur Banza Mouloumé Marmont, circonscription électorale de Kamina Ville, Madame Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, circonscription électorale de Kanyama, Madame Yamba Kazadi Gracia, Monsieur Ilunga Léo Marcel, circonscription électorale de Malembankulu, Madame Kabambawa Umba Isabelle, Madame Polipoli Lunda Chimène, Monsieur Yumba Mwanabute Samuel et Monsieur Masangu Mulongo Jean-Claude. Circonscription électorale de Faradje, Monsieur Andrito Alendo Etienne,
et M. Atama Tabe Mogodi Crispin. Circonscription électorale d'Issiroville, M. Basséane Nanga Christophe. Circonscription électorale de Niangara, M. Kezamundro Missisiri Jean-Pierre. Circonscription électorale de Rungu, M. Bangakia Angaze Okonda Rengwa Joseph. Circonscription électorale de Wamba, M. Bakadi Abusa Emmanuel, Madame Inagosi Boulo Ibambi Geneviève, M. Lité Asebea André. Circonscription électorale de Wacha, M. Abotome Mekabissia Roger, M. Mambidi Koloboro Jean-Marc. Province de l'Ituri. Circonscription électorale d'Aru. Monsieur Akiso Adjoule Raymond. Monsieur Amoule Arakayo Kizito. Monsieur Banyo Debo Daniel. Monsieur Draza Achule Jean-Claude. Madame Kachinde Avojoa Nene. Et M. Adjo Guidi. Circonscription électorale de Bouniaville. M. Irakan Unen Gracien de Saint-Nicolas. M. Kakule Baliomo de Ogracias. Circonscription électorale de Djougou. M. Maté Sosavo Jospin. M. Ngabu Tchunde Jean-Paul. M. Ndjabou Ngabou Floribert, M. Denda Tikpa François, M. Uyewa Ouinya Aï Daniel, M. Biaruhanga Utike Moïse, Madame Tabou Makusi Angèle. Circonscription électorale de Irumu. Monsieur Bungishabaku Kato Robert, Monsieur Aliegera Nyakulinda Moïse et Monsieur Babangu Mababu Paul, Wababu Paul. Circonscription électorale de Mahagi, Monsieur Agenonga Robert, Monsieur Adubango Awato Samuel, Monsieur Berokan Keraoure Nono, Monsieur Foura Ouma Daniel, Monsieur Mungu Jakissa François, Monsieur Moubert Djaouli Jean-Paul, Monsieur Uvoya Unenkan Jean-Faustin. Circonscription électorale de Mambasa, Monsieur Abdallah Penembaka Jefferson, Monsieur Kambale Ezekiel Barnabas, Monsieur Anda Akandabo Imbaï Jean-Marie, province du Kassai, circonscription électorale de Dekessé, Monsieur Bokele Djema Adrien, circonscription électorale d'Ilebo, Monsieur Louépe Mayara Justin, Monsieur Kamanda Choni Esperon, M. Ndambo Mandjuanju Fortuna, circonscription électorale de Luebo, M. Mubikai Mubalamate Léon, M. Tombe Tombe Olivier, circonscription électorale de Mweka, M. Chanza Mikobi Passion, M. Bouchabu Bope Antoine, Monsieur Bengele Kwete Tamouk Constantin. Circonscription électorale de Tchikapa. Monsieur Banza Mundongo Grégoire. Monsieur Kazadi Mwaila Théodore. Monsieur Mafuta Kabongo Guy. Monsieur Mbaya Kandoudi Jean. Monsieur Meba Kalumba Diallo.
Monsieur Moulamba Mputu Simon, Monsieur Chimanga Bwana Jean-Pierre, Monsieur Wagner Tienda Richard, circonscription électorale de Tikapaville, Monsieur Mushongo Machara André, Monsieur Lukadi Moulumba Serge Junior, province du Kasaï Central, circonscription électorale de Demba, Monsieur Kalombo Chinkenke Rombo, Monsieur Moulumba Mpandangila Thierry, Monsieur Kabeya Sombamanya Olivier, circonscription électorale de Dibaya, Monsieur Chitoko Kapanda Aldos Ali, Monsieur Moulamba Mande Géry, circonscription électorale de Dimbelenge, Monsieur Mbata Betukumesu Mangu André, Monsieur Ngandukayembe Valentin, Monsieur Kankonden Kachamawa Malamba Gilbert, circonscription électorale de Kanangaville, Monsieur Kabeya Shikai John, Monsieur Tipepele Ntumba Marcel, Madame Tchela Kamba Eugénie, Monsieur Mukendi Kalemba Christian, circonscription électorale de Kazumba, Monsieur Balekela Ibeya Donatien, Monsieur Ntenda Ntenda Martin, Monsieur Mandefu Mwela Meshak, Monsieur Kendambui Kasuika Emmanuel Noël, circonscription électorale de Luisa, Monsieur Kabanda Matanda Boniface, Monsieur Chilumbai Moussaou Isaac Jean-Claude, Monsieur Kamonji Naseroua Sabangu Ida, c'est pas monsieur, c'est madame. C'est madame. Monsieur ne peut pas être Ida quand même. C'est madame, oui. Nous reprenons. Madame Kamonji Naseroua Sabangu Ida. Monsieur Muntuma Jérôme, province du Kasaï Oriental, circonscription électorale de Kabeya Kamwanga. Monsieur Mundela Kanku Edi, Madame Kapinga Mulumba Clotilde, circonscription électorale de Katanda, Monsieur Badibangantita Sami, circonscription électorale de Lupatapata, Monsieur Bukasan Tumba Etienne, circonscription électorale de Mbujimayi Ville, Monsieur Kongolo Kavumbi Tobi, Kayumbi Tobi, Madame Kabena Mwauka Adèle, Monsieur Mawe Jamuteba Jean, Monsieur Chikuya Kayembe Maurice, Monsieur Mpanda Kabangu José, Monsieur Ngoi Kasanji Alphonse, circonscription électorale de Miabi, Monsieur Kazadi Kadima Nzuji Nicolas Serge, Monsieur Kassanda Kadiesa Serkas, circonscription électorale de Chilenge, Monsieur Chibangu Kabula Freddy et Monsieur Kabombo Mwadianvita Guy, ville de Kinshasa, circonscription électorale de Kinshasa 1, Lukunga, Monsieur Mwaba Kazadi Tony, Madame Samba Kalambay Antoinette, Monsieur Bumba Lubaki Daniel, Monsieur Kapenda Kabundi Yann, Madame Moleka Nsolo Wivin, Monsieur Mbui Mundela Didier, Madame Bandubola Mbongo Acacia, Monsieur Mbemba Kabuya Samuel, Monsieur Bimoala Ron Roger Etienne, Madame Sangana Bilonda Clémence, Monsieur Ntambwe Mponchi Charmant Eliezer, Monsieur Baati Basseme Emmanuel, Monsieur Kassanda Katwala Olivier, Monsieur Efambe Ekanga Dion, circonscription électorale de Kinshasa 2, Funa, Monsieur Ieli Molangi Edi, Monsieur Amissi Makutano Adolphe,
M. Kaziteriko Kenda Faustin, M. Lukulasi Masamba Jamari, M. Dikala Majed Lubanzadio Géry, M. Muyaya Katemwe Patrick, M. Lubanga Mwambi Taylor, M. Osango Senga Lambert, M. Mpoui Kadima Godet, Mme Karomon Kilala Pepito, Mme Vuanga Mukongo Christelle, M. Titan Eden Kalonji Antoine, circonscription électorale de Kinshasa 3, Mont Amba, M. Kazadi Kankonde Peter, M. Kabuya Chilumba Augustin, M. Kibuka Kiakese Raphaël, Mme Bolumbe Bakando Hermione, M. Mayo Mambeke Jean-Baudouin, M. Eyanga Mboyo Venance, M. Mbikai Mabuluki Steve, Mme Madia Mwamba Dorothée, M. Ilanga Bakonga Rigen, M. Mwabilu Mbayu Mukalapius, M. Fikiri Hassani Frédéric, circonscription électorale de Kinshasa 4, Tchango, M. Motangalie Léonard, M. Kalonji Kalonji Ogi, M. Tibalabala Mukunayi Francis, M. Bialosu Kawata Jonathan, M. Chulombo Kabwenda Doli, c'est madame, oui. Madame Chulombo Kabwenda Doli, M. Eshiba Kasemwana Patrick, M. Ngoyi Mvunzi Jean, Madame Bidwaya Sephora Astrid, M. Kangila Kawela Prince, M. Kabengela Ilunga Jean-Marie, M. Itina Mayamba Hermès, Madame Mutinga Kwet Marie, M. Mboma Kumeza Gaborian, M. Nganini Atabakutuba Pakis, Madame Munshi Yaya Yalake Frida, M. Mona Mbomu Richard, M. Chilumbu Kantola Paul, M. Omba Taluata Michel, M. Ntabala Ruankuba Antoine, province du Congo central, circonscription électorale de Bomaville, M. Longolongo Micholson Fils, Madame Nyongo Swami Marie-Josée, circonscription électorale de Kasangulu, M. Boudimbu Ntubwanga Didier, M. Mukoko Kinamwidi Didier Anissé, circonscription électorale de Kimvula, M. Mfuti Kiaku Jean-Simon, circonscription électorale de Lukula, M. Matoko Luemba Donatien, M. Tsundu Ntsundu Jonas, circonscription électorale de Luozi, Madame Ngudianza Bayokisa Kisula Neflertiti. Oui. Circonscription électorale de Madimba, M. Loko Kinsimba Michael, M. Matutala Mukanda Nteko Makengo George, circonscription électorale de Matadiville, M. Nzuzi Umba Persi, M. Bandu Ndugidi Gui, M. Nzuzi Kassa Amzi, circonscription électorale de Mbanzangungu, M. Mukoko Samba Daniel, M. Ndusiba Mvanzi Sébastien, M. Mbuku Balele Pépé et M. Sumbu Muntu Kalavo Pierre,
circonscription électorale de Moanda, M. Simba Matondo Modero, M. Matumpa Buka Marcel, circonscription électorale de Seke Banza, M. Mavungu Ntiku Joachim, circonscription électorale de Songololo, M. Matomina Nsuela Zola, M. Wameso Nkwakoloki André, circonscription électorale de Tchela, M. Nkongo Bamwangila Didier, M. Mbandu Panzu Crispin, province du Kwango, circonscription électorale de Fetch, M. Buka Nziasia Fiston, Madame Lukama Tankulu Colette, circonscription électorale de Kaemba, M. Bindu Changata Victor, circonscription électorale de Kasongolunda, M. Mapamboli Posa Flori, M. Kulungu Doug Doug, M. Mambulau Mbemba Talde et M. Mulenga Upala Wensley. Circonscription électorale de Kenge, M. Mboso Nkodia Pwanga Christophe, M. Kitebi Kibol Mvul Patrice, M. Mavudila Congo Romain. Et M. Mambu Mbassa Yannick, circonscription électorale de Kengeville, M. Ndefu Swatongi Jean-Baptiste, circonscription électorale de Popo Kabaka, M. Passi Zapamba Buka Jean-Pierre, province du Kwilu, circonscription électorale de Bagata, M. Mangai Mvunga Patrick, M. Ngila Moke Laurent, M. Sakata Moke Tawab Gari, circonscription électorale de Bandunduville, M. Kinzambi Ngul Eric, M. Bwanganga Tawaba Jean-Claude, circonscription électorale de Bulungu, M. Eyumus Nassa Célestin, Madame Lukiana Mufuankolo Dialukupa Marie-Ange, M. Kolongele Eberande Désiré Casimir, M. Bitini Talabao Donatien et Madame Mupeka Kindundu Jocelyne. Circonscription électorale de Gungu, M. Fumani Gimbadi Rombo, M. Fumu Mapanda Malamba Zifirin, M. Makiashi Willy et M. Soumey Kitenge Pierre. Circonscription électorale de Idiofa, M. Inuki Lamfel Sacré, M. Mbuku Laka Boris, Madame Tipoi Fiking Marie, M. Mupasa Lukobo Dede, M. Muzaza Owam Ngampio Thierry et Madame Yama Nzalabar Joly. Circonscription électorale de Kikwitville, M. Muzito Fumuchi Adolphe, M. Mungala Mputu Symphorien et M. Makongo Kangantima Serge, province de Lomami, circonscription électorale de Kabinda, M. Lumano Mulenda Bwanasefu Adolphe, M. Kabemba Kabwele Wayulu, André et M. Ilunga Numbi Nathan, circonscription électorale de Kabindaville, Madame Lumanu Chimpaka Michoni Véronique,
circonscription électorale de Kamiji, M. Chimenga Mutombo John, circonscription électorale de Lubao, M. Mutamba Tangunga Constant, M. Mposhi Kibambe Dieudonné, M. Masanga Kapenga Gustave, circonscription électorale de Lwilou, M. Kabe Dial Bertos, M. Mbaya Kabwe Wamwadi Joseph, Madame Kabinda Mutonji Fideli et M. Chibang Ntambo Denis. Circonscription électorale de Mwenedi Touville, M. Punga Mouchamoucha Charles Guillaume. Circonscription électorale de Ngandajika, M. Miteo Nyenge Bruno, M. Mulumba Kanza Augustin, M. Mulumba Mwadja Ndambu Edouard, province de Lualaba. Circonscription électorale de Dilolo, M. Mouyeye Mutongo Trésor, M. Mouandila Kapenda Charles, circonscription électorale de Kapanga, M. Mbanz Ambang Edmond, circonscription électorale de Kolwezi-Ville, Madame Masuka Saïne Fifi, Madame Chimenjinga Charlotte, M. Kasinga Changambo Jean-Marie, circonscription électorale de Luboudi, M. Mastaki Koulifa Prosper, M. Kapia Makumbo Alain et Madame Munongo Inamizi Dominique, circonscription électorale de Muchacha, M. Kantenga Kapenda Alain, M. Kaumba Mayonde Philippe, Madame Mufuka Samba Élise, circonscription électorale de Sandora, Madame Kainda Maïna Adèle, province du Maïndombe, circonscription électorale de Bolobo, M. Etibako Edi Ndito Philibert Brel, circonscription électorale de Inongo, M. Wampeti Epoka Gaspard, M. Sele, c'est madame, ah oui, c'est Onège. Mais pourquoi cette machine met tout le monde au masculin comme ça? C'est une machine. Il faut reconfigurer cette machine. Madame Selemimpa Onège, circonscription électorale de Inongo-Ville, Monsieur Mongo Lokonda Aimé Pascal, circonscription électorale de Kiri, Monsieur Bamboka Lobendi Pierre Castro, circonscription électorale de Koutou, Madame Ilanga Paul et Mamie, Monsieur Dassio Mouro Mokfe Tali, Monsieur Ibouli Eboula Venance, circonscription électorale de Mouchi, Monsieur Bonzeke Iliki Freddy, circonscription électorale de Oshwe, Monsieur Bompini Balinga Michel, circonscription électorale de Yumbi, M. Bamani Mobeli Séverin, province du Maniema, circonscription électorale de Kabambare, M. Amisi Kalonda Jean et M. Emedi Amouri Xavier, circonscription électorale de Kailo, M. Amisi Lupia Patrick, circonscription électorale de Kasongo, M. Kalumba Mwanangongo Justin, M. Ndarabu Amurani Aruna, Madame Tumba Manara Marie, circonscription électorale de Kibombo, M. Kitanga Luanga Mathieu, circonscription électorale de Kindouville, M. Matata Ponyo Mapone, circonscription électorale de Lubutu, Madame Musongela Yvonne Aurélie,
circonscription électorale de Pangui, M. Moussa Kabwankoubi Moïse et M. Kalumba Yuma Jamari. Circonscription électorale de Pounia, M. Bokondou Mukuli Georges, province de Mongala. Circonscription électorale de Bongandanga, M. Matili Essanga Célestin, M. Bokumwana Maposo Élysée et M. Bokundoa Angembe Fiston. Circonscription électorale de Bumba, M. Liaou Eboua Kalokola Jean-Pierre, M. Mangbao Mongungu Rufin, M. Andoulou Enzongo Vincent, M. Gbundu Malengo Crispin. Circonscription électorale de Lissala, M. Egbanda Mananga José, M. Lembi Liboula Joseph, M. Mangonza Bayekele, bienvenue. Circonscription électorale de Lissala Ville, M. Sakombi Molendo Aimé, province du Nord Kivu, circonscription électorale de Beni, M. Balesima Kadukima Albert, M. Saïdi Balikwisha Émile, M. Nzanzu Kasivita Karli, M. Kambale Moussavouli Vagumawa Eli, M. Mumbere Mate Jules, M. Kombi Pendani Bosco, M. Enoch Bochoti Nyamwisi, M. Kambale Tavulenga Degal, circonscription électorale de Béniville, M. Mwaka Bwenge Arsène et M. Achongia Kiyaya Elvis, circonscription électorale de Butembo Ville, M. Mumbere Mukweso Remixon, M. Mbindule Mitomo Crispin et Madame Kavira Katashoire Janine et M. Mboussa Nyamwisi Antipas. Circonscription électorale de Gomaville, M. Furiguta Mukasa Hubert, M. Mumbere Bwanapua Eric Luki, M. Muindo Nzangi Butondo, M. Munyomo Baziluango Patrick. Circonscription électorale de Lubero, M. Muindo Simisi Obedi, M. Paluko Siwako Makukepa Kapako, Madame Kavira Mapera Jeannette, M. Katembo Kambere Tade, M. Kanefu Muindo Muniva Jean-Pierre, M. Maombi Kachungo Sosten, M. Mboussa Machozi Joseph, M. Paluku Kaongia Julien, M. Bakachuraki Kavusa Semei, circonscription électorale de Niragongo. Madame Bazizane Maeshe Adèle, Amisi Singoma, circonscription électorale de Walikale. Monsieur Moto Muima Michel, Monsieur Mikindo Muima Rubens, Monsieur Mishiki Buini Willy, province du Nord Ubangi. Circonscription électorale de Bosobolo. Monsieur Oshobale Oyozu Oscar, Monsieur Geakoro Ndambomale Théophile, circonscription électorale de Businga,
Monsieur Kotongo Amfio Bato Jean Bosco, Monsieur Gobalimo Mbendoa Simon, Monsieur Ngendeza Ezunga Vincent Depaul. Circonscription électorale de Gbadolite-Ville, Monsieur Dongo Yemo Mobutu. Circonscription électorale de Mobaï Mbongo, Madame Kengo Wadondo Mokanda Kese Marie-Claire, province du Sankuru. Circonscription électorale de Katakokombe, Monsieur Lodi Emongo Jules, Monsieur Lutundula Apala Penapala Christophe, Monsieur Tokongo Tokoko Antoine. Circonscription électorale de Kole, Monsieur Ilunga Wa Ilunga Francis et Monsieur Ekoto Loleke Célestin. Circonscription électorale de Lodja, Monsieur Mende Omalanga Lambert, Monsieur Asselo Okito Wankoy Daniel, Monsieur Ulungu Ekunda Lukata Bertelt et Monsieur Ompeta Shonda Emmanuel. Circonscription électorale de Lomela, Monsieur Ekumbaki Ombata Jean-Albert. Circonscription électorale de Lubefu, Monsieur Djongambo Ndjadi Hippolyte. Circonscription électorale de Lusambo, Monsieur Sase Mwetutui Kale Dieudonné. Circonscription électorale de Lusamboville, Monsieur Nkoso Lokao, le cacao Bernard. Circonscription électorale de Lumumbaville, M. Che Okitundu Lundula Léonard. Province du Sud Kivu. Circonscription électorale de Bukavu Ville. M. Kambere Luakani. Kamere Luakaniningini Vital, Monsieur Salumu Witakenge Patrick, Monsieur Namaziana Bachoke Patrick, Monsieur Baati Lukwebo Modeste et Monsieur Mudegereza Namegabe Olive. Circonscription électorale de Fizi, Monsieur Mwewa, Niewa plutôt, Niewa et Lakano Jean-Jacques, Monsieur Tchakubuta Mfaume TH, Monsieur Basoshi Iumbwe Théophile, Monsieur Nyamangyoku Ishibwela Obedi, circonscription électorale de Idué, Monsieur Miruo Akili Prosper, Monsieur Ngwabije Kasi Théo, circonscription électorale de Kabare, Monsieur Nyamugabo Bazibue Claude, Madame Ndoussi Nkembe Claudine, Monsieur Bissimwa Batandi Frédéric, Monsieur Baleke Mugabo Jean. Circonscription électorale de Calais, Monsieur Baïmouessize Mukuza Mouini Vital, Monsieur Kitumaini Ndebirira Didier, Monsieur Mirindi Bacheka Namoussie Jean-Pierre, Monsieur Ndatabaye Kajibouami Amédée. Circonscription électorale de Mwenga, Monsieur Chiruluire Ibulala Basengezi Richard, Monsieur Lutala Lutiki Trésor, Monsieur Chubaka Kalimba Eloa. Circonscription électorale de Shabunda, Monsieur Soumaïli Miseka Emile,
Monsieur Wenda Mukangwa Placide, circonscription électorale de Uvira, Monsieur Bitakwira Biona Aï Justin, Monsieur Misare Mungomberwa Claude, Monsieur Amini Kabaka Chemu et Monsieur Gizaro Mouvuni Alexis. Circonscription électorale de Walungu, Monsieur Kaasha Mouula Albert, Monsieur Kamunani Kalazo de Okar, Monsieur Chokola Ntwali Katintima Prince et Monsieur Boji Sangara Bamanirwe Aimé, province du Sud Ubangi, circonscription électorale de Bujala. Monsieur Boussa Tongouba Jean-Lucien, Madame Sakombi Moleka Kati, Monsieur Mbungani Mbanda Jean-Jacques, circonscription électorale de Gemena, Monsieur Lenga Walenga Penze Alexis, Monsieur Sangouma Temongonde Mossal, Monsieur Sengbewi Zamu Jacques, Monsieur Andaka Ngbandani Jeff, Monsieur Twana Wibina Evariste. Circonscription électorale de Gemenaville, Madame Bembawale Caroline. Circonscription électorale de Kungu, Monsieur Ndengo Bapalembi Ernest, Monsieur Mbusa Ndole Yalele Gislain, Monsieur Mangai Bossaba Pascal, Monsieur Emela Moninga Aimé Jean-Maurice, circonscription électorale de Libengue, Monsieur Djokobale Kongolo Abdon, Monsieur Dibandi Zondonio Alfred, circonscription électorale de Zongoville, Monsieur Bedi Mungai Benjamin, province du Tanganyika. Circonscription électorale de Kabalo, Madame Kakudiyumba Sophie. Circonscription électorale de Kalemie, Monsieur Mayani Pakou François, Monsieur Banzalunda John. Circonscription électorale de Kalemieville, Monsieur Kabongwa Kabongo Boniface et Monsieur Kitungwa Muteba Christian. Circonscription électorale de Kongolo, Monsieur Kasungo Salumu Daniel Johnson, Monsieur Mufalame Tambwe Sokoro et Monsieur Kisimba Mbuizia Toussaint. Circonscription électorale de Manono, Madame Wangoi Mukalai Marie-Thérèse et Monsieur Ilunga Luyoyo Giovanni. Circonscription électorale de Moba, M. Mandon Simba Kabulo Christian, M. Kalinde Kavimboa Jean-Pierre, M. Kaposo Kintu Dominique. Circonscription électorale de Nyunzu, M. Mukundi Nyembo Kaumba, Kaumba Emmanuel, province de la Tchopo. Circonscription électorale de Bafouasende, Monsieur Bendesana Nzama Justin, circonscription électorale de Banalia, Monsieur Alou Hassani Kabina Alphonse, circonscription électorale de Basoko, Madame Bazaïba Massoudi Eve et Madame Moleko Molia Moliwa Anastasie, circonscription électorale d'Isangi, Monsieur Maembo Gelingi Paulin, Monsieur Limengo Ikolonga Trésor et Monsieur Kitoko Lisombo Etienne. Circonscription électorale de Kisangani Ville, Monsieur Mangala Sakilikili Fontaine, Monsieur Maoa Akombea Jean-Pierre, Madame Nikomba Sabangu Madeleine,
Monsieur Yangotikala Senga Ladi, Monsieur Matata Makalamba Patrick et Monsieur Bolila Lola Ngatina Devo. Circonscription électorale d'Opala, Madame Ichama Litoka Maeli Élysée. Circonscription électorale d'Ubundu, Monsieur Masanga Kisigai Étienne et Monsieur Ibrahim Nassibou. Circonscription électorale de Yaouma, Monsieur Ngondankoy Nkoy Ea Loangia Paul Gaspard, province de la Tchouapa. Circonscription électorale de Befale, Monsieur Botouli Yekia Zakari. Circonscription électorale de Boende, Monsieur Njoli Essengekeli Jacques. Circonscription électorale de Boendeville, Monsieur Boussekota Mbana Félix. Circonscription électorale de Bokungu, Monsieur Lokoka Isaka François, Monsieur Loando Mboyo Guy. Circonscription électorale de Djolou, Monsieur Lotana Lokasola Albert. Circonscription électorale d'Ikela, Monsieur Eteni Longondo Longondo, Monsieur Lilongo Bochili Jean-Lori. Circonscription électorale de Monkoto, Monsieur Engelemba Bokoué Célestin, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 12 mars 2024, à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamuleta Badibanga, Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine, Jalar Yuma Baati Christian, Lumumbaya Sylvain et Manza Andia Dieudonné juge, avec le concours du procureur général représenté par le premier avocat général Likoko Bangala et l'assistant de Madame Bijou Bouendoa, greffière du siège. Voilà donc, mesdames et messieurs, la messe est donc dite, l'arrêt est rendu, il est en train d'être signé par tous les juges de la composition. Les 477 députés élus définitivement sont connus. Un à un, le président de la Cour constitutionnelle les a cités sur cette liste dans toutes les circonscriptions électorales de la République démocratique du Congo. Les représentants du peuple sont connus et ils vont siéger valablement à l'Assemblée nationale. C'était donc très attendu cette publication définitive des députés nationaux de la législature
2023-2028. C'est chose faite depuis quelques instants. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a donc rempli ce devoir constitutionnel, mais a donné à la République les noms de toute la représentation nationale pour les 5 prochaines années. Il ne reste plus donc que les politiques d'agir conséquemment pour que le gouvernement soit mis en place le plus rapidement possible et que les choses de la République soient gérées avec efficacité, efficience et en toute diligence. Les attentes sont nombreuses. Les promesses qui ont été faites par le président de la République lors de sa campagne électorale vont donc être rencontrées dès lors que le programme du gouvernement sera adopté par l'Assemblée nationale. C'est cette adoption qui va consacrer l'investiture du gouvernement. Il y a donc urgence pour que tout se fasse dans les temps impartis et que dans l'esprit des politiques, cet esprit d'urgence s'installe afin que rapidement, tout ce qui doit être fait soit fait pour que les problèmes que connaît la République démocratique du Congo soient pris en compte un après un autre, mais avec tous les sérieux du monde et tout l'engagement qu'il faut pour que nous parvenions à atteindre le niveau de développement. En tout cas, il faut que ceux qui vont assumer les fonctions d'État soient à mesure de saisir cette urgence et agir comme on l'attend. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, je crois que l'audience va être clôturée par le président des séances, mais il est temps que ces signatures interviennent sur cet arrêt de très haute importance. Le président l'a dit, il sera donc transmis au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, à toutes les institutions de la République. Il sera publié dans le journal officiel, mais aussi au journal des arrêts de la Cour constitutionnelle. Prince Mupoi, nous sommes en train de terminer le journal de la Radio-Télévision nationale congolaise. En tout cas, en édition unique, va intervenir certainement d'un moment à l'autre, mais en attendant, l'audience n'est pas terminée. Bulele la edichala muyuki kimalukuje katobola bwase bachena batwa biala pamukanda wabuja jikinomba ya bachwetu nafanka bajibika la batoko kama inaye makumi mwanda muteketa ne batu mwanda muteketa bajibafuma ku jitele menabo ku jije done kamuleta men mulombo jiwa nzubwatu bajeng twameye ibamululwa lelweu bien sombo kwa fuka tupakanye munkachi nkachi mwabantu ne patika tokulapa nokwe yeya wakwenza mosomo wakwenza bokumuna mushindo wakufila bobwe na bushajikebu even jata betu gena kata kulandana na bisalo awana ko constitutionnel kisika wapi bamekusamonisa mazina ya bantu bayayi kuteliminaka mingi mambo ya kupona maaya salamaka na lumbu ya makumi zole ya ngonda kumi na zole ya mvula meluta mpilasini kumonisaka penza ya umbote tala bubu yai kupona maa na nima kupona maa kusamonina diaka sini kusawa kumonisa yao diaka na ngonda ya ntete wapi bankaka kusawa kutelimina kupona maina mchini mmonisaka mba mazina ya badepite nasyono ya uina bubu yai kuo konsisioneli mekuisa bimisa penza mazina mifona zabati seni bimisaka mazina nkama iye na makumi nsambwadi na nsambwadi sabu na badepite pambave na mabwala ya nkaka tupe na bizunga ya nkaka seni kuisaka penza kukanga bakilu na bao pambave ba binduka na bao mchino kupona mausalamaka babu ya kayape bisika ya nkaka penza yu lusilaka mbote ve msula tuba wapi seni kusaka umonisa kama mazina kama iye na makumi nsambwadi na nsambwadi bubu ya ndi bankaka kusaka umonisa mazina kukonsione
bamekusa monisa penza bendwika samna komonisa banani penza kununga kamusura tuba mazina na yao bamelandila yao mbote mbote ko consommer mikusa zabisa penza ti ba dossier kuvanda ka penza mingi na kulandila yao wapi mvuto ya mbote mikusa bima na baye yankaka ba terminaka bamekusa tanga penza mazina samna ba député nationaux ba kele kama iya na makumi tsambodi na tsambodi ya mimi tubama na inwa ya president ya ko consommer ya imekusa zabisa penza mambu nyoso amezabisa ti nitafona monita penza la pole yango pene ya mfumi ya isi pe yoto kusamona liaka na nyinzo ya kinzonzi samuna yinki vempe lisuku ya zulu papave yomekusa lutila penza mbote mbote bubu yae tala tintamu ya bitina kata kufingila penza na kumonita bisana na ba mchini wikisu wa landila tangu ya miku makinzi ya kutula maboko na mikanda mpamba ve nyoso mikusa tubama mbote mbote beba mikusa landila ya upenza mbote na kintuadi na ntuadi si ya kukonsione na bajiji ba unyoso mevwanda na kutula maboko na mikanda mpamba ve mambu nyoso milutila mbote betu kena kata kulanda kana kaka mpamba ve minita ya mibikala ya kutanga samu mambunyoso kwisa mana kasime futula penzinga na mpangi edi chala mpambave mpangi ya kaka na nzinga lumputu bafana kuwa pe kulanda mambu ya kikisa lutila awa kasintangu ya kini ntangu ya kutula maboko na mikanda ya ya bajish mikuisa landila mambunyoso wa memonati bisalu mikuisa lutila mbote awana inzo ya bisalu ya kukonsionel na baina ya kutelimina kape ya buyaka baku pona mamutindu yotu bamaka na ngonda ya ntete na mingi kweza na seni wapi seni kusa kumona tv ina mambu na metela ndive seni kupesaka kasi baina ya kutelimina ka baku isaka kufunda awa na kukonsionel kukonsionel mele mbave na kutala penza wa mikanda baina ya kupesaka mbavandaka makumi iya na tatu kansi bamekusa munisa bao penza mbote penza makumi iya na sambano nyonso melutila mbote na kulandila bametela dosye ya mtu na mtu mkande ya mtu na mtu bamekusa landila yandi mpamba ve avandana kikizunga wapi mita mnesalama wapi kupona mnesalama nini mutindu pamba viba vandaka na bantu na bao mpilinzo bisali tena mambo kusambisa vandaka kulandila ya wako watana ntama tala mvutu ya mbote mikusa pesama pebubu ya yaba mikusa tendula nyoso na nima ya kutula maboko na mikanda bame tubati bao tatinda yao na fumu ya insi na kupesa ni lapolo pe kumuniso diaka inzo ya kinzonzi na disuku ya zulu mepesa ndinga na edichala. Merci. Ce sont ces paraphes et ces signatures qui authentifient le document, qui en assurent donc bien entendu l'authenticité. C'est un arrêt de la Cour constitutionnelle de si haute importance, je voulais rappeler. Je ne cesserai pas de dire merci à Patrick Kamanda, directeur du cabinet du juge Lumu, qui nous a fourni beaucoup plus d'informations sur ce travail laborieux qui a été fait par ces 9 membres de la Cour constitutionnelle. Je vous ai dit tantôt que c'est 1123 dossiers qui ont été réceptionnés par la Cour constitutionnelle. Il fallait les analyser, déclarer 525 irrécevables, 400 recevables mais non fondés, et puis seulement 43 dossiers ont été jugés recevables et fondés, ont été analysés. Il fallait rédiger tous ces arrêts, c'est dire que les cabinets de ces différents juges n'ont pas fermé l'œil de la nuit depuis plusieurs jours pour pouvoir apprêter en ce jour du 12 mars, vu le temps imparti, parce que la loi électorale prévoit que si dépassé 2 mois, c'est la décision de la CENI qui va être considérée comme définitive. C'est dire que ils ont fait une énorme course contre la montre. Et heureusement pour eux, ils ont réussi. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars. Les 1200 arrêts, excepté les désistements. Même pour les désistements, il faut des arrêts. Donc, voilà le travail qui a été fait. Il y a eu 26 désistements. Si on s'en tient au document qui nous a été remis, c'est dire que le travail qui a été réalisé est très appréciable. Il faut saluer cette dextérité et cette perspicacité des juges de la Cour constitutionnelle, mais avec eux, tout ce qui y a derrière eux, ça veut dire le cabinet qui travaille d'arrache-pied pour que ceux-ci
soient aussi efficaces qu'ils l'ont été pour la gestion de ces 1200, 1123 dossiers, requêtes, si vous voulez, adressés à la Cour constitutionnelle dans le cadre de ce contentieux électoral. C'est du boulot et ils ont été bien à la hauteur. Contrairement, en tout cas, vous vous souvenez, en 2018, il y a eu une véritable, pas catastrophe, mais à la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Vous avez vu les anciens députés, ceux de la législature 2018, certains d'entre eux passaient nuit ici à la Cour constitutionnelle parce que c'était tellement flagrant que le travail n'a pas été fait comme il s'est dévé et les réclamations avaient été nombreuses. Alors que, vous le savez, l'article 168 de la Constitution dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, ils sont directement exécutoires et opposables à tous. Donc, quand on s'en tient à cette disposition, vous comprenez donc l'enjeu qu'il y a dans cette décision de la Cour constitutionnelle, dans cet arrêt, et la responsabilité qui repose sur les épaules de ces juges de la Cour constitutionnelle. Ils ont effectivement été à la hauteur de notre point de vue. Ils ont pris leurs responsabilités à main et ont rendu l'arrêt qui nous a été lu par le président de la Cour constitutionnelle tout à l'heure. Et je vous rappelle aussi que ces requêtes ont été analysées en chambre unique, présidé par le président lui-même de la Cour constitutionnelle, et qu'il n'a pas voulu, comme en 2018, de scinder les chambres pour qu'il y ait deux ou trois chambres qui se chargent d'analyser des dossiers de façon éparse. Je crois qu'ils ont analysé la situation de 2018, ils ont repéré les erreurs qui ont été commises et ont finalement pris les décisions pour empêcher que ce qui était arrivé en 2018 n'arrive. Aujourd'hui, on peut donc nous assurer que le travail a été fait avec ces 8 juges qui siégeaient. Et tous les jours, chaque fois que les audiences avaient lieu, les requérants venaient présenter leurs moyens de défense. La CENI était appelée au besoin pour présenter les conclusions s'il le fallait. Et ceux qui étaient attaqués pouvaient soit envoyer leurs conclusions ou soit se faire représenter par des avocats pour eux aussi et pour qu'eux aussi présentent leurs moyens de défense. N'oubliez pas que la Cour constitutionnelle avait repris tout ce que la CENI avait fait après la publication des résultats. La CENI est complètement dessaisie et la Cour constitutionnelle avait repris tous ces dossiers. Et là où il y avait encore des enquêtes à mener, la Cour constitutionnelle a poursuivi la chose pour que, enfin, les résultats qui sont publiés aujourd'hui soient les plus possibles, qui reflètent la sincérité des urnes. Et je pense que nous n'aurons pas les réclamations du type erreur matérielle, parce que c'est la seule possibilité qu'offre la loi à ceux qui peuvent se sentir lésés par cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Ce sont des arrêts inattaquables, ce sont des arrêts qui ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf, en tout cas, c'est un tempérament introduit par la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est dans cette loi organique, je crois, aux articles 92, si j'ai bonne mémoire, c'est une loi que j'ai lue il y a quelques années déjà, à partir des articles 92, qu'il est noté que les arrêts sont les résultats de législative nationale est clôturé. L'audience est levée. Tantôt, c'est donc fait. L'histoire est close. Les députés définitivement élus sont connus. L'Assemblée nationale va continuer son travail avec les nouveaux qui sont arrivés, qui vont remplacer ceux qui avaient été proclamés provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. C'est dire que nous avons franchi un pas important dans
cette législature et la Cour constitutionnelle a réglé tout le problème et je pense qu'il va s'atteler maintenant à autre chose et que les nouveaux élus vont, eux, rejoindre l'Assemblée nationale pour s'occuper des affaires de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi depuis cette salle d'audience de la Cour constitutionnelle ces arrêts rendus par la Cour constitutionnelle dont le dernier reprend les 100, les 400 77 députés élus pour cette législature. C'est donc connu de tous. Cet arrêt va être transmis au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, mais aussi à la Commission électorale nationale indépendante. En ce qui nous concerne, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont été définitivement, félicitations à tous ceux qui ont été définitivement déclarés élus, notamment l'honorable André Mouchongo, l'élu de Tshikapa, Didier Mbuyumundela qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle.